Salut, salut mes chers amis samouraïs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, dans ce décor somptueux que nous propose From Software, je vais vous indiquer l'emplacement de deux petites armes après bien évidemment que vous ayez savouré le combat contre Relana, la chevaleresse qui m'a donné bien du mal. Bien du mal. Donc, avec ce décor merveilleux, pour ceux qui voudraient savoir où je me situe, c'est très simple. Un peu là, je suis ici, hein, au pilier de la suppression. Donc, notre première destination, un peu là, on se souvient qu'ici, c'est le château où je viens de combattre notre cher ami. La sortie est là. Un peu là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Regardez bien, un peu là, ici, dans les ruines de la forge météorique, où nous allons aller chercher une arme. Et notre deuxième destination sera un peu plus loin, plus au nord, sur la map, ici, pour être exact, à la tour de Rabat. Voilà. Donc mes chers amis samouraïs, nous revoici dans les ruines de la forge météorique où je vais vous montrer le déroulé parce que j'ai mis un petit moment avant de le trouver. Donc là, entrée de la droite, boum, on torche vite fait bien fait ces petits ennemis. Vous voyez au fond l'ennemi que vous voyez normalement, la porte est fermée, là elle est ouverte parce que j'ai fait le truc avant. Donc là lui, on le torche aussi, voilà qui est fait, là. Voilà qui est fait. Donc pour ouvrir la porte dont je vous ai dit c'est ici, hein, vous tirez le levier, la porte s'ouvre. Donc là on passe la porte, des petits slimes enflammés, donc faites attention, ils envoient des projectiles. Donc, hop, une roulade en esquive, ils sont assez faciles à tuer, donc voilà, les ennemis les plus galères de la zone, ce sont, comme vous allez le voir sur votre droite, ici, là, ce sont eux. Les ogres, ils sont assez casse-tête, il faut les taper par derrière. Donc on continue sur ce long couloir, faites très attention ici, petit piège. Hein. Voilà, le slime avait un acolyte. Donc là, comme je vous ai dit, ils envoient des flèches, donc faites attention, ne faites pas comme moi. Boum. On le finit, merci, voilà qui est fait. Donc ici, une échelle, on la monte, on la monte, on la monte, on la monte. On va arriver sur ce petit couloir qu'on va emprunter. Ici, de slime beam, mais comme par hasard il m'a eu, n'hésitez pas à rusher, hein, ça ne sert à rien ici, rien de bien affolant comme objet ou autre. Donc là, lui, on le quitte pour le fun. On avance, on arrive sur cette petite plateforme. Donc sur votre gauche, vous trouverez une salle avec au fond un objet que j'ai déjà pris. Pas très intéressant, mais si ça vous intéresse, vous allez livrer bataille contre une bonne dizaine de slimes. Donc vous descendez en bas. Une fois que vous allez faire demi-tour, il y a un slime qui va tomber du ciel. Voilà, faites très attention à lui, délicieux. Donc boum. On le tue, on avance, lui pas besoin de le réveiller puisqu'il dort, donc on va le laisser dormir paisiblement. Ici, deuxième interrupteur pour ouvrir, là vous voyez bien, c'est le début où vous avez vu le premier ogre avec son chaudron, sur la tête. Donc là, on ouvre cette porte, voilà qui est fait, on va descendre, on va l'emprunter. Donc on attend que ça descend, bien évidemment. Hop là, salut c'est moi, hop, on saute roulade et on avance. Donc au fond de la pièce, un objet aussi que j'ai récupéré, voilà, faites très attention à lui et à lui. Donc voilà l'objet en question, c'est pas très folichon, mais si vous êtes féru de récupérer tous les objets, allez-y. Donc là, on remonte la porte et on se met dessus, hein. J'ai mis à peu près 40 minutes avant de trouver la soluce, donc je vous l'ai dit, là je suis bien gentil,
Bim, et on arrive devant le fourneau et on va récupérer incessamment sous peu, voilà qui est fait. Alors, l'espadon en minerai météorite ancien. Donc voilà, pour ceux qui aiment jouer espadon, n'hésitez pas à venir récupérer l'arme. On se retrouve, comme je vous ai dit, au site de grâce tout en haut au nord de la map. Et voilà, vous la voyez ici, la tour de Rabat, voilà, comme son nom l'indique. Donc là, je récupère un peu les minerais, hein, quand ça brille, ça m'intéresse. Donc boum boum, on récupère. Voilà, là c'est l'entrée, on n'y va pas. Donc là oui, j'ai bien évidemment une lanterne. Mais à quoi bon la mettre si on aime se déplacer dans l'obscurité la plus totale. Donc voilà, là un peu de lumière grâce aux fenêtres, donc on y voit un peu plus clair, on avance. Donc n'hésitez pas vous aussi à détruire le mobilier si ça vous intéresse, à casser tout et n'importe quoi. Et vous voyez ce mur, vous le voyez, vous ne le voyez plus, voilà. Donc ici, un petit mur que vous pouvez détruire et cette petite stèle de pierre. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, je l'ai cassé et ça a libéré un sceau spirituel dans les alentours. Donc on retourne au début du château, de la tour plutôt de Rabat. Et sur votre droite, immédiatement sur votre droite, vous voyez ce qu'il n'y avait pas avant. Donc ce sceau spirituel que donc, vous appelez votre petit cheval. Et vous sautez dessus, ça va vous projeter en l'air, vous connaissez la routine, bon ne faites pas comme moi. Là j'ai pas compris où il fallait aller, donc je m'y reprends à deux fois. Vous connaissez le dicton, hein, jamais deux sans trois, donc voilà la deuxième. donc je le répète, ne faites pas comme moi, cela va vous faire perdre du temps. Donc le temps de retourner au sceau spirituel et de comprendre où il faut aller, voilà qui est fait. Donc on a compris, on y va, on saute et on y est. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a servi dans votre aventure. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de notre jeune samouraï.